Comment mesurer la perforation d'un timbre? Pour apprendre à mesurer la perforation, vous devez d'abord comprendre ce qu'est la perforation d'un timbre et pourquoi elle est utilisée. La Grande-Bretagne a été le premier pays à émettre des timbres-poste. Tout a commencé avec le timbre-poste Reine Victoria Noir d'un penny en 1840. Il a été imprimé en fait de 240 timbres et est devenu très populaire comme moyen d'affranchissement des frais de port. Mais le seul problème était qu'une personne avait besoin d'un ciseau ou d'un couteau pour séparer le timbre. Il est vite devenu évident après un certain temps qu'il devait y avoir un moyen plus simple de séparer de nouveaux timbres. Il a été décidé en 1854 de percer des minuscules trous autour de timbres afin qu'ils puissent être séparés à la main sans endommager le timbre. Ces minuscules trous sont appelés perforations et peuvent être mesurés avec un collectionneur de timbres. Le nombre de perforations compté dans une longueur de 2 cm ou 78 centimes de pouce correspond à la taille de la perforation. Par exemple, s'il y a 11 perforations dans la longueur de 2 cm, la taille de la perforation est donc de 11. De nombreuses jauges sont disponibles pour vous aider à effectuer ce type de mesures. Exemple de cette jauge ici. Cette jauge de perforation a des broches qui sont espacées uniformément sur une zone de 2 cm. Alignez les trous de perforation du timbre avec les groupies des jauges et c'est la taille de perforation du timbre. Facile, non? Mais attendez, de nombreux timbres produits aujourd'hui ont des tailles de perforation en décimales. Par exemple, 11 1/2, 12 3 quarts ou 13 1/2 pourrait être une taille de perforation pour un timbre. Maintenant, je suis sûr, vous vous posez la question de savoir comment obtenir une mesure exacte en utilisant la jauge à broche illustrée ci-dessus. Eh bien, le seul moyen serait d'estimer la perforation entre deux tailles de broche. Ou vous pouvez acheter une autre jauge qui peut le faire pour vous, appelée les jauges multi-gauche. Celui-ci permet de mesurer les tailles de perforation par incrément d'un dixième. Une autre façon de mesurer les perforations consiste à utiliser une règle de 2 cm et à compter vous-même la perforation. N'oubliez pas que lorsque vous mesurez la taille de la perforation, commencez par le centre du premier onglet avant le trou de perforation et comptez jusqu'au centre du dernier onglet après le dernier trou de perforation en utilisant la longueur de 2 cm comme référence. Autre méthode, l'odontomètre électronique. Appareil de haute technologie, un des exemples est le perfotronic. Cet appareil vous donne la réponse avec une grande précision. Il suffit de placer le timbre sous le support et d'appuyer sur le contacteur des photocapteurs. Balayez la denture sans aucun contact. Le timbre ne court aucun risque. Possibilité d'affichage de la mesure au un quart de dentelure. Et pour terminer, sachez qu'il existe aussi plusieurs applications Android ou iPhone pour mesurer les perforations, entre autres PhotoBlack, Image to Punch, EZPerf, etc., etc. Maintenant que vous savez comment mesurer la perforation, vous pourrez identifier plus précisément vos timbres dans les catalogues de timbres lorsqu'un timbre a été imprimé avec plusieurs tailles de perforation. La taille de perforation est une spécification très importante lors de l'identification d'un timbre. Certains timbres ont plus d'une taille de perforation et sont appelés perforations composées. Par exemple, un tampon avec une taille de perforation composée serait répertorié dans un catalogue comme 11 sur 12. Le premier numéro 11 représente la taille des perforations pour les hauts et les bas du tampon. La deuxième valeur, 12, représente la taille des perforations du côté droit et le côté gauche du timbre. Voilà, vous êtes maintenant prêt à commencer vos propres mesures de perforation. Merci. N'oubliez pas de partager. À la prochaine pour d'autres aventures philatéliques.